Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus, connectez-vous, on va discuter juste un peu. Aujourd'hui, c'est notre fête, fête des travailleurs. Bon, voilà, on est à la maison, hein. On est à la maison tout simplement parce que notre planning. J'ai dit envoie ma permission, tu coupes en direct à tout moment. Oh putain. Allô? Oui. C'est ce que je te dis là, essaie de voir Vakaba là, tu m'envoies ça par... C'est ce que je te dis, Doumbia Vakaba, envoie-moi par... Il n'y a pas de Kaba, je dis Vakaba. Ouais, ouais. Pardon, envoie-moi par message, ne m'appelle pas s'il te plaît. Ouais. Désolé, hein, j'avais reçu, comment on appelle ça... J'avais reçu un appel là, je ne sais pas si vous m'attendez. Soyez les bienvenus, comme dans le titre, hein, on va s'adresser un peu à Soro Kyome, les Soroïs. Bien avant, je souhaite bonne fête de travail à tout le monde. Et ben voilà, hein, soyez, restez confinés chez vous, restez, respectez les normes sanitaires et sortira vainqueur dans ce combat. Donc voilà un peu, une fois de plus encore, bonne fête et soyez les bienvenus, soyez tous salués. Ah, Jean-Jacques Kishi, c'est comment mon frère? Merci pour... Ouais, le ramadan, ouais, ça va, tranquille, tout doucement, on est dedans, non? Ça va, mais ça nous empêche pas de framponner parfois le nabo de Soro Guillaume Lakalash, quoi. Donc, chers frères et sœurs, ben voilà, hier, on a vu, depuis quelques temps, on voit... une parodie de Soroïs et de la bande de Soro sur les réseaux sociaux, comme quoi ils ont gagné la bataille, ils ont, et on s'attend à tout sur la toile. Franchement, aujourd'hui, ma sortie, c'est juste pour vous parler un peu, vous entretenir un peu, pour vous parler de tout ce que je sais dans cette histoire, les informations qui me sont parvenues depuis hier. Et vous avez été nombreux depuis hier à m'appeler hier nuit, comme quoi Soulé de Paris avait fait une vidéo dans laquelle il a fait passer des audios qui accablaient le président de la République. Non, ne vous laissez pas manipuler par ces personnes-là. En fait, ils sont dans une manipulation d'esprit faible. Vous comprenez, vous avez été nombreux hier à m'appeler, tout le monde écrit, non, on est inquiet. Non, 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 non. Ça veut dire que nous, on est dans un combat. On est dans un combat de vrai. On est dans un combat réel. Ça veut dire que nous, nos arguments tiennent. On a des arguments solides. Quand on dit à Soro Guillaume, on demande aux soïstes de venir nous démentir, de construire et de apporter des preuves à l'appui comme quoi les audios que nous avons attendus là, c'est pas la voix de Soro Guillaume. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça la vraie question en fait. C'est ça le vrai problème. Le vrai combat, c'est ça. Donc les gens sont dans un combat de dénigrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont plus dans
dans ce qu'on appelle, ils sont plus dans ce qu'on appelle la politique en fait. Ils sont dans trouvons tout, mentons tout et salissons le pouvoir d'Abidjan, salissons Alassane Ouattara. C'est ça le problème. Et aujourd'hui ici, je vais vous démontrer par A plus B que ces gens-là sont plus dans ce qu'on appelle la politique. Ils sont plus, tout ce qu'ils veulent, ils veulent seulement que la Côte d'Ivoire parte en lambeaux, parte en fumée, c'est tout. Donc, paraît-il que ce monsieur, ce cyberactiviste, toujours dans sa voiture, fait passer une audio comme quoi le protocole d'Alassane Ouattara était impliqué à une éventuelle déstabilisation du Gabon. Soyez sûrs, chers frères et sœurs. On parle ici, si c'est vrai, entre guillemets, on parle ici d'un protocole du président de la République. Quelqu'un qui est à côté du président de la République. Et je vous dis, on nous tous on comprend français, quelqu'un qui est à côté du président de la République est différent de celui du président de la République, est différent du président de la République. Je prends un exemple tout simple. Soul Toussoul, il a été en prison parce qu'il gardait les armes chez lui. Est-ce que Soro Guillaume est-il allé en prison à cause de cela? Non. C'est Soul Toussoul qui a commis son forfait. Et Soul Toussoul a allé payer la sentence. Donc, ça n'a rien à voir avec Soro Guillaume. Quand bien même que c'est Soro Guillaume qui lui avait demandé de garder les armes chez sa mère à Boaké. Vous comprenez? Maintenant, si ce dernier s'assoit sur un direct pour dire que c'est Ado qui est à la base, où est la preuve? Rien ne lie Ado à ce monsieur-là, que le mari de Nassane Bahatou et tout. Ça, ça n'engage que ce monsieur, le protocole. Il allait se mettre dans un problème. Et si son nom a été cité et que le communiqué même qui a été donné par le plus haut niveau du Gabon n'a pas accablé la République de Côte d'Ivoire. Ils ont simplement dit qu'il y a des Ivoiriens qui se sont ingérés dans ces élections. Ceci étant, le président de la République a condamné hautement ce geste maladroit. Et le hacker dont on parle qui est en prison là-bas, lui, son travail, c'est ça. Voilà pourquoi on l'appelle hacker. Quelqu'un peut le louer. C'est-à-dire que s'il est fort, même la Russie peut le louer, le Mali peut le prendre, peut demander de son service. En fait, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est ivoirien parce qu'il a été pris. Donc forcément, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé. Non, 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 non. Il faut réfléchir un peu. En fait, voilà pourquoi j'ai dit ces souris-là ne réfléchissent pas. Tu comprends? Un hacker peut travailler pour tout le monde. Tout le monde peut demander de son service. Il peut travailler pour tout le monde. Un Ivoirien hacker ne veut pas dire simplement s'il a été pris aux États-Unis dans lui-même ses propres affaires. Ça ne veut pas dire que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé. Non, il est dans son business. Désolé, j'ai reçu un appel. Il est dans son business. Il est dans son monde. Donc, ces personnes-là s'accrochent à rien. En fait, ils n'ont rien comme argument. Donc, ils sont obligés de s'accrocher surtout pour pouvoir salir l'État d'Abidjan. Des personnes qui sortent des vidéos à la veille, Bleu-Goudé Charles sort à la télé, à la RTI, demande aux Ivoiriens de se rendre à l'hôtel d'Ivoire. Et il a bien dit, chaque Ivoirien a son blanc, a son français. C'est dans cette optique, les jeunes sont sortis et ils sont allés à l'hôtel d'Ivoire. Et là-bas, il y a eu des tirs. L'armée française a essuyé des tirs de la part des manifestants. Et comme ils étaient en légitime défense, tout le monde le sait, et cette loi, elle est universelle, les Blancs se sont défendus. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, il y a une soroïste qui fait vidéo hier et elle attribue ces morts-là à Ado. Comme quoi, c'est Alassane qui a envoyé les Blancs, les Français, à tuer les Ivoiriens. Mais vous ne voyez pas que ces personnes-là, franchement, ont un problème psychique. Ces personnes ont un problème psychique parce que ça veut dire que nous-mêmes de vivants, nous qui avons vécu l'histoire, nous qui avons vécu les scènes, ça veut dire que cette personne-là veut forcément, par le biais des réseaux sociaux, transformer notre histoire, tronquer les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que c'est vraiment minable de leur part? Vous ne voyez pas que c'est vraiment plus la politique, c'est seulement que mentir pour mentir. Il faut mentir pour mentir. La propagande du mensonge. Ils sont seulement qu'à ça.
ils se sont investis, inscrits dans sur ce chemin-là, rien que pour mentir, sans chercher à comprendre. Ça veut dire que mais ça ne nous étonne pas. Le Solo Guillaume, à Foussiata Bamba, à Lobognon, il n'y a personne qui dit la vérité là-dedans. Tout le monde, ils sont tous là en train de mentir. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce que Solo Guillaume a apporté à l'État de Côte d'Ivoire, ou bien qu'est-ce que Solo Guillaume même a apporté à la Côte d'Ivoire. Depuis son passage à l'université, de la rébellion jusqu'à aujourd'hui, nous allons essayer de vous décortiquer sincèrement la valeur intrinsèque de Solo Guillaume. On va vous démontrer ici qui est réellement Solo Guillaume. Solo Guillaume est arrivé, a été parachuté à la tête de la vessie. Et nous étions tous à l'école, nous avons su comment, nous avons vu comment Solo Guillaume est arrivé là. Il est arrivé avec les machettes. C'est à partir de l'élection de Solo Guillaume que la violence a commencé à installer.